Sonnerie pour espérer. Le d'hier des Jacobins. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices d'espérance, à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer. Nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly. Bonjour. Le frère Éric Paulet. Bonjour. Et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre d'hier. Nous sommes le 2 avril, 5e jeudi de Carême, de l'an 2020, après le Christ. Donnez-nous des masques, donnez-nous des tenues et des tests, donnez-nous des lits et des respirateurs, donnez-nous des consignes claires, donnez-nous la vérité sur la situation. Ces demandes que nous entendons depuis de nombreux jours sont des prières. Elles surgissent spontanément parce que toutes les conditions d'une prière sont réunies. Une prière suppose d'abord une chose ou une action dont on a besoin, et le besoin confère à cette chose ou à cette action une valeur de bien. En ce moment, par exemple, spécialement pour certaines personnes, avoir un masque ou être testé serait un bien. Mais ce bien, on ne peut l'obtenir facilement parce que les masques manquent, parce que les tests sont en nombre limité. C'est pourquoi on en est réduit à espérer. Espérer recevoir un masque ou espérer être testé. Espérer ne suffit toutefois pas pour prier. Il faut encore que le bien espéré, nous puissions l'obtenir d'un autre et que cet autre veuille bien nous l'accorder. La prière est donc cette demande à un autre du bien que l'on espère pour qu'il veuille nous donner ce qu'il peut nous donner. En temps d'épidémie, nos prières se font plus insistantes, parce que les biens à espérer sont plus essentiels. Il y a de ce point de vue une différence qui est en train d'apparaître et qui va s'accroître, celle entre l'impatience du consommateur et l'insistance de l'orant, de celui qui prie. Nos sociétés se sont organisées ces dernières décennies pour stimuler les désirs de consommation et les satisfaire au plus vite. Sitôt désiré, sitôt commandé, et sitôt commandé, sitôt livré, sitôt livré, sitôt consommé. Tout devait être disponible sur le champ, ou presque. Gare aux magasins qui manquaient de ce que nous désirions, ou qui tardaient à nous l'envoyer, ou qui ne nous offraient pas une pleine satisfaction. Ainsi transformés en machines à consommer, nous avons développé l'impatience capricieuse des enfants. Un clic de souris constituait notre prière la plus efficace. Et nous en sommes venus à penser que le clic d'une souris était désormais l'étalon de la prière. Les prochaines semaines vont se charger de nous détromper. Pendant que le consommateur impatient s'énerve, de son côté, l'orant insistant implore avec plus de ferveur. Il trouve les actions de la supplication, parce que, à la différence du consommateur de plus en plus frustré, celui qui prie vraiment met son espérance en celui qu'il prie. Et ce qui vaut pour la prière entre les hommes, vaut aussi pour la prière avec Dieu. Celui qui met son espérance en Dieu, le prie spontanément. Celui qui prie spontanément a mis son espérance en Dieu. Pour mieux le comprendre, nous avons décidé de nous tourner vers une des grandes orantes de la Bible, à savoir Anne, dans le premier livre de Samuel, au premier chapitre. Pleine d'amertume, Anne pria le Seigneur en pleurant abondamment. Et elle fit un vœu en disant « Adonai, Seigneur, Elohi, Sabaoth, si tu vois l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, si tu donnes à ta servante une descendance d'hommes, moi, je le donnerai au Seigneur jusqu'au jour de sa mort, et il ne boira pas de vin ni de boisson enivrante, et le fer ne montera pas sur sa tête. » Et voici comme elle ajoutait à sa prière devant le Seigneur, qu'Élie regardait sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Le serviteur d'Élie lui dit « Combien de temps resteras-tu ivre? Cuve ton vin et retire-toi de devant le Seigneur. » Anne lui répondit « Non, mon Seigneur, je ne suis pas une femme à l'esprit hardi. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant le Seigneur. Ne tiens pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de mon amertume et de mon oppression qui me fait parler ainsi. » Élie lui répondit « Va en paix, que le Dieu d'Israël te donne selon ta demande. » Et elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Puis la femme s'en alla à l'hôtellerie, elle mangea avec son mari, et son visage changea. Elle conçut, vinrent les jours où elle enfanta un fils, et elle l'appela Samuel et dit « Parce que je l'ai demandé au Seigneur Dieu Sabaoth. C'est pour cet enfant que j'ai prié, et le Seigneur m'a donné selon la demande que je lui avais faite. Moi, je le voue au Seigneur tous les jours de sa vie. Il a été demandé au Seigneur. » Voici le rappel donc de cette grande prière connue, bien connue, mais qui peut-être mérite qu'on s'y arrête parce qu'elle elle nous présente une vraie figure dorante et elle nous enseigne quelque chose, cette Anne. Alors, Anne, donc, est stérile. C'est l'épouse préférée d'un homme qui s'appelle Elkana. L'autre épouse de son mari, qui s'appelle Pénina, est féconde, mais moins aimée, tandis que Anne est plus aimée, mais stérile. Un schéma que l'on retrouvait déjà avec Léa et Rachel, les deux épouses de Jacob. On la voit ici, dans le temple du Seigneur, adresser une prière instante, avec quelques traits particuliers tout à fait remarquables, qui n'ont pas d'équivalent dans la Bible, à mon sens, avec cette focalisation sur Élie, qui assiste comme ébloui et étonné, en fait, stupéfait, par l'intensité de la prière d'Anne. Vous avez entendu comme, à un moment, on a l'impression qu'on a sur Anne en train de prier le point de vue d'Élie. Élie regardait sa bouche, c'est étrange tout de même comme remarque, et justement on a l'impression que là c'est Élie surpris qui parle, seules ses lèvres remuaient, on n'entendait pas sa voix. Et donc ensuite, il fait toutes sortes de conjectures, il pensait qu'elle était ivre, bon, et puis finalement, il se trompe. En fait, il assiste à quelque chose de nouveau, en tout cas, dont il n'a pas l'expérience, lui qui est pourtant prêtre du Seigneur, à savoir une personne qui se consume totalement, qui se donne absolument dans la prière. Alors avec donc vraiment là, des notes tout à fait intéressantes, le texte ne dit pas qu'elle n'avait pas de voix, mais qu'on ne l'entendait pas, sa voix. Comme si, en fait, c'est une voix qui parlait avec des harmoniques que l'homme ne peut pas entendre. Elle a une voix spéciale, une sorte de voix qui ne jaillit peut-être pas de sa bouche, mais une voix qui vient de son cœur. La prière vient vraiment de l'intérieur d'elle-même, dit-on, elle parlait en son cœur. Alors, la prière sollicituise son cœur, donc son intériorité, ses lèvres. C'est vraiment tout l'être d'Anne qui est sollicité. Et ses pleurs. Et voilà, tout à fait, exactement, ses pleurs également. Donc, il y a vraiment des manifestations, on sent que vous avez presque une dissection extrêmement précise d'un témoin qui a l'œil vif, et qui remarque que, vraiment, voilà quelque chose qu'il n'a jamais vu, à savoir une personne qui prie de tout son être, avec ses yeux en larmes, avec une voix que l'on ne peut pas entendre, avec son intériorité. Bref, elle est prête à tout donner devant le Seigneur. Et ça, c'est vraiment là, on sent qu'il y a quelque chose d'assez bouleversant même, de fondateur même, dans une nouvelle manière de prier, personnelle, ou qui n'est pas ici normé directement par l'exercice de la liturgie, mais qui est vraiment, puisque en plus c'est une femme, c'est vraiment choisi à dessein, elle est pas, par définition elle n'est pas prêtre, mais néanmoins sa prière est d'une intensité personnelle, grandiose, hein, et qui marque beaucoup le prêtre qui assiste à la scène. Elle résume l'expression qu'elle utilise pour résumer ce qu'elle fait quand elle dit « je répands mon âme devant le Seigneur », c'est une expression d'une force extraordinaire. C'est quand tu dis effectivement tout le corps est engagé, mais c'est parce que toute l'âme, oui, voilà, voilà, en fait, elle est pleinement engagée dans cette prière, totalement donnée à cette prière. Voilà, après l'image du coup reviendra dans des écrits postérieurs, dans les Lamentations. On a par exemple « Répands ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur avec... » Je pense que l'idée d'un flux, c'est aussi peut-être la régularité qui est signifiée par là. C'est-à-dire répandre son cœur comme de l'eau, ça veut dire vraiment aussi régulier qu'un fleuve, hein, qui coule d'ailleurs en harmonie avec sa source. Donc il y a l'image de l'eau, du fleuve, dit qu'il y a une source intarissable en quelque sorte, qui s'épanche en permanence, et qui donc entretient un état d'oraison intérieure et je crois que là on a vraiment des caractéristiques, hein, tout à fait admirables de la prière qui est une disposition de l'être même. Là on sent qu'on est vraiment devant une admirable phénoménologie, pour employer un mot un petit peu pédant, de la prière que Anne nous lègue. Alors, il y a aussi des particularités. Je vous ai lu une traduction du texte grec qui a quelques éléments en plus, tout à fait remarquables. Par exemple, le grec dit que quand elle voue son enfant à venir au Seigneur, il ne boira pas de vin ni de boisson enivrante. Et ce détail n'est pas dans le texte hébraïque, qui parle simplement d'un vœu qu'elle fait, mais sans préciser ce détail, le vin et la boisson enivrante. Or, ça redouble en fait ce que l'on a, la méprise du prêtre Élie ou de son serviteur dans le grec, qui la croit ivre, et Anne se défend, « je n'ai bu ni vin ni boisson forte ». Comme si en fait, Anne elle-même s'était vouée à ne boire ni vin ni boisson forte. Elle a fait un vœu qu'elle vient présenter au Seigneur, en demandant au Seigneur de recevoir son vœu. Et en vertu de ce vœu, eh bien, elle demande à être exaucée. C'est aussi là une logique de la prière qui est fondée sur des vœux. Faire des vœux, y compris pour nous, c'est tellement important, nos vœux religieux, ils sont finalisés par la présentation d'une prière au Seigneur. Se vouer, c'est pas uniquement pour faire joli, se vouer, c'est pour obtenir de Dieu un bien plus grand, puisque le vœu est une promesse faite à Dieu en vue d'un bien meilleur. Donc là, ici, nous avons une image magnifique, en fait, qui nous présente Anne comme une consacrée, et du coup, mère d'un enfant consacré. Et d'une certaine manière, la morale serait presque la suivante, Vous voulez savoir qui est le fils, regardez la mère. Donc là, on sent qu'il y a vraiment des choses prophétiques. On pense à Élisabeth et Jean-Baptiste, ou à même la Vierge Marie et Jésus, avec ce rapport d'imitation réciproque presque entre le fils et la mère. Ça, c'est vraiment un détail extrêmement intéressant, et qui, je pense, là aussi appartient à la logique de la prière. Il y a cette continuité entre l'engagement de la prière et l'engagement du fruit de la prière. Voilà, oui, tout à fait. Oui, oui. Elle se donne totalement dans sa prière, et donc ce qu'elle reçoit sera aussi totalement donné à celui qu'elle prie. Exactement. On sent qu'en fait, dans sa propre vocation, elle imprime une certaine marque divine sur son enfant. Et ça, vraiment, je pense que c'est Justement, ce n'est pas un déterminisme familial, c'est au contraire... Oui, ce n'est pas de la génétique, hein, c'est le fruit d'un acte... on n'est pas dans Zola, c'est sûr, hein, c'est pas... on est au contraire, c'est qu'on est dans un acte éminemment spirituel qui, du coup, se prolonge en vertu d'une logique qui est celle de l'amour, bien sûr. Alors là, il y a vraiment, je pense, beaucoup de choses à dire là-dessus, sur cette consécration réciproque. Et puis, une dernière chose qu'il faudrait noter, je trouve, c'est... Alors là, nous entrons presque dans des considérations assez étonnantes, même de philologie hébraïque. Enfin, bon, je vais essayer de ne pas vous saouler avec ça. Parce qu'il y a quelque chose d'assez curieux, c'est que Anne prie avec tant d'insistance, mais pour quoi faire? Pour vouer son enfant au Seigneur. Donc en fait, elle prie pour avoir un fils, mais elle prie aussi pour que le fils ne lui appartienne plus. Donc là, c'est tout à fait, ce serait presque paradoxal. On se dirait, elle prie pour avoir un enfant. Pour elle. Pour elle. Ben, en fait, non. Elle prie... Pour le donner. Et pour le donner. Alors ça, c'est quand même assez étonnant. C'est noté ça. Alors c'est là où on arrive à la philologie hébraïque, puisque le verset conclusif, le verset 28, enfin 27-28 exactement, Anne dit « Moi, je le voue au Seigneur », donc c'est un composé du verbe hébreu « sha'al », donc ici « vouer », et ce verbe « sha'al » signifie également « demander ». Donc, selon la demande que j'ai faite chez Elati, moi je le voue, ish il tiou. Et donc là, ce sont des formes différentes d'un même verbe. Alors nous ne voyons pas en français le rapport qu'il y a entre demander et vouer, parce que c'est vraiment deux verbes distincts. Dans l'hébreu, c'est la même racine verbale, selon deux modes différents. Comme si, alors là on arrive vraiment dans quelque chose de très profond, je trouve, vouer, c'est ça qui permet de demander. C'est-à-dire que c'est en consentant à donner, et justement à vouer, c'est-à-dire à vraiment à donner sans retour, hein, puisque justement un vœu, c'est pas fait pour être... on ne revient pas en arrière sur un vœu, ou sinon on le commue, mais le vœu reste toujours, au fond. Donc le vouer, c'est vraiment pour se détacher de quelque chose, mais ici, on nous dit que c'est parce qu'elle le voue qu'elle peut le demander. Alors là, nous entrons vraiment dans le rapport très étroit qui existe entre l'espérance et la charité. C'est bien la charité qui lui inspire de vouer son enfant, c'est-à-dire de le donner totalement au Seigneur, d'un amour gratuit, parce qu'elle ne peut pas faire de plus beau présent à Dieu que de lui donner son fils. Sachant que... c'est un premier-né, donc qui doit être de toute façon consacré au Seigneur. Alors voilà. Mais le fait de l'abandonner d'elle-même, c'est pas en raison de la loi, c'est véritablement, là, ça naît de son cœur, en fait. On va plus loin que le simple accomplissement de la loi. Voilà, la loi il demande en effet de consacrer les premiers-nés, mais là, ça va plus loin, puisque la consécration des premiers-nés est accompagnée d'un rachat, normalement avec une bête que l'on sacrifie à la place. Alors que ici, justement, lorsqu'elle le voue, c'est vraiment pour le donner complètement. Et d'ailleurs, dans la scène très célèbre de la vocation de Samuel, eh bien, c'est parce que, ayant été voué au Seigneur, il habite désormais le temple. Et tout le monde connaît l'épisode. Samuel, Samuel, me voici. Voilà, ton serviteur écoute. Et donc, de fait, c'est bien un voué au sens où il a été donné tout de suite au Seigneur, et puis ensuite il est devenu un grand prophète. C'est lui qui a oint Saül, puis David. Enfin, voilà. Donc, alors, il y a d'un côté la charité en vertu de laquelle elle voue son enfant, c'est-à-dire qu'elle le donne gratuitement à Dieu, parce qu'elle aime Dieu d'un amour gratuit qui motive de vouer son enfant. Et en même temps, c'est bien ce vœu qu'elle fait de son enfant qui motive sa demande et donc son espérance d'avoir un enfant. C'est-à-dire que, parce que la demande porte bien sur avoir un fils, donc la demande porte sur un bien qu'elle souhaite avoir. Mais ici, elle souhaite avoir ce bien en vue d'un acte de charité parfaite qui est d'amour gratuit du Seigneur. Donc là, nous voyons vraiment, alors je ne sais pas si nous avons des exemples aussi clairs, enfin bien entendu qu'il y en a évidemment, mais je n'en ai pas à l'esprit à l'instant, du rapport qu'il y a entre espérance et charité, entre vouloir pour soi et vouloir pour Dieu. Vouloir un bien oui. pour soi et vouloir le bien commun de vivre avec Dieu. Mais alors je me demandais en fait, en t'écoutant, si on ne voyait pas dans ce texte une certaine progression. Parce que il y a deux temps dans la prière d'Anne. Il y a le premier temps où elle pleure abondamment et où elle fait un vœu. Et là, l'expression, la manière dont elle pleure, je dirais, la manière dont elle prie, pardon, correspond assez bien à ce que nous entendons habituellement pour prière. On a ce souhait intime, on vient devant le Seigneur, on présente ce souhait et on manifeste à Dieu son attachement, sa confiance, et du reste, dans cette première partie de sa prière, elle le dit, mais c'est sous la forme du « si ». « Si tu donnes, moi je donnerai ». Et là, on est dans l'échange de dons. Hein. « Si tu me donnes un fils, moi je donnerai ». Et ce qui est frappant, c'est que dans cette première partie de sa prière, la prière s'extériorise, elle pleure abondamment. On est, si je puis dire, encore dans quelque chose qui est une forme commune, en tout cas, de ce que nous connaissons par la prière. Et c'est comme si, en fait, sa prière s'intensifiait au point que les lèvres n'ont plus ne parlent plus, les pleurs, on n'insiste plus sur les pleurs. C'est plutôt, on a l'impression, Élie qui est là a l'impression qu'elle délire, qu'elle est dans une prise d'une agitation intérieure, mais sans raison autre. Et donc, c'est pour ça qu'il attribue ça à l'ivresse. Et cette prière, c'est là où Anne dit « Je répands mon âme » et elle parle de l'excès d'amertume. Elle parle d'une oppression. Il y a quelque chose qui, de l'intérieur qui est beaucoup plus puissant qu'elle, qui parle en elle et qui la saisit tout entière. Et donc, je me demande si on n'est pas passé de ce motif premier humain, elle est venue à Dieu avec un motif qui était ne pas pouvoir avoir d'enfant, être aimée par son mari, mais ne pas porter les fruits de son mari, et en même temps, et puis elle avance dans ce cheminement spirituel pour en fait être là pour Dieu, à cause de Dieu. C'est cette amertume profonde qui la saisit de l'intérieur et qui n'est plus simplement pour elle. Et qui la conduit justement à ce que tu disais sur cette charité pour Dieu, ce vœu pour Dieu, devient la raison de sa demande, et non pas l'inverse. Oui, oui. Je me demandais s'il n'y a pas cette progression. Oui, non, oui, tout à fait, oui. Oui, oui, c'est vrai que c'est très beau de le voir sous cet angle-là aussi, comme vraiment le développement, l'approfondissement d'une prière. Après, bien entendu que déjà au début, elle a un motif qui est quand même, qui n'est pas uniquement mercenaire, hein, bien sûr, mais simplement c'est un motif qui est d'abord concrétisé réellement par un acte très précis, alors qu'à la fin, de fait, elle est totalement disponible à la volonté du Seigneur. Frère Éric, je crois que la prière d'Anne a suscité l'admiration, non seulement la nôtre, mais depuis toujours celle des Juifs et des chrétiens, et notamment des pères. Absolument. Et un père en particulier, Saint Jean Chrysostome. La prière que met en scène cette ouverture du premier livre de Samuel a de quoi nous toucher en ce temps si particulier où il nous faut nous exhorter mutuellement à l'espérance. En effet, c'est la prière d'une âme éprouvée, et doublement éprouvée. Une âme qui est comme ballottée entre deux perturbations, deux passions. D'une part, une forme de découragement, de désespoir. Nous aurons une conversation même sur le désespoir. Pour Anne, c'est le découragement peut-être à cause de son manque d'enfants. D'autre part, seconde passion qui peut nous toucher, la colère, le fait d'être révolté contre telle ou telle décision prise ou non prise, devant tel comportement, comme Anne, qui est l'objet des quolibets, des sarcasmes, des insultes de la seconde femme de son mari, Pénina, qui, elle, a des enfants. Or, même dans le temps de sa prière, jusqu'à l'intérieur du temple, Anne doit surmonter l'une et l'autre de ces deux passions. On l'insulte comme une femme qui a trop bu. Chez Anne, la prière ne lâche pas de la main la vertu de patience, résistance devant le découragement et résistance devant les moqueries et les insultes. Tous ces concepts, c'est du grec, en fait. C'est Jean Chrysostome, jeune prêtre, ordonné à peine depuis 1 an, qui les énonce à Antioche en 387. On le surnommera plus tard Bouche d'or, Chrysostome. Pour l'instant, il est ordonné tout récemment et il remplace en quelque sorte l'évêque d'Antioche qui est parti à Constantinople défendre sa propre ville. Et il innove de façon absolue en prononçant au moins 5 homélies, peut-être 6, sur la figure d'Anne au cours du temps pascal. Et c'est du jamais vu dans toute l'ère patristique qu'un corpus de 5 homélies sur une figure féminine. La traduction et la présentation de ces textes sont en train d'être préparés pour la collection des sources chrétiennes. Et cette collection d'homélies sur Anne donne aux prédicateurs l'occasion, comme nous, ce soir, aujourd'hui, de méditer sur le sens de la prière. Il y met en évidence le caractère d'intériorité et son lien avec la vertu de patience. Surtout, le prédicateur est frappé par la figure de cette femme qui est comme une image vivante de la prière. C'est ce que fera aussi Augustin pour Monique, image vivante de prière. Alors je vous propose simplement un extrait de la 2e homélie de Jean Chrysostome sur Anne. Revenons à ces paroles, dont on ne saurait trop admirer la sagesse et la mansuétude. Après avoir dit « Non, Seigneur », elle ajoute « Je suis une femme dans l'affliction, et je n'ai bu ni vin, ni liqueur enivrante. » Chrysostome ici suit la version grecque qu'il a du premier livre des règnes, qu'on appelle aujourd'hui le premier livre de Samuel. Observez comme ici, encore, elle tait les injures de sa rivale, s'abstient de dénoncer sa méchanceté. Ici, on a Anne qui résiste, qui montre sa vertu de patience en tant que résistance contre la colère. Une juste colère, en fait, puisqu'on la prend, on la considère comme ivre alors qu'elle est en train de prier. Chrysostome continue, comme aussi de représenter, donc elle évite à la fois cette colère et en même temps elle évite aussi de représenter sous des couleurs tragiques sa propre infortune. Et là, on a cette fois-ci la patience en tant que résistance contre un propre découragement. Anne ne s'étale pas, ne dit pas de façon dramatique sa condition. Elle ne découvre de sa peine que ce qui est propre à la justifier aux yeux du prêtre. « Je suis, dit-elle, une femme dans l'affliction. Je n'ai bu ni vin ni liqueur enivrante, et j'épanche mon âme devant le Seigneur. » On retrouve cette pudeur dans la prière, par exemple à Cana, quand Marie dit simplement « ils n'ont plus de vin ». Donc, on a là, ici, Jean Chrysostome, presque philosophe, qui fait un petit peu ce descriptif des passions et de cette belle vertu de patience, mais une double patience qu'expérimente Anne, priante. Là, on va dans le sens de ce que disait le frère Renaud sur la prière comme un fleuve. Hein, l'âme qui s'épanche, c'est véritablement la patience d'un fleuve qui draine toute l'humanité au tamis de Dieu, d'une certaine façon, puisqu'on là, on a vraiment une femme avec Dieu, et qui est vraiment en contact de prières intenses. Et Jean Chrysostome, justement, c'est la phrase qui suit, pointe évidemment cette magnifique expression de « j'épanche ». Elle ne dit pas « je prie Dieu » ou « je supplie Dieu », mais « j'épanche mon âme devant le Seigneur ». C'est-à-dire, commente Jean Chrysostome, « je me suis jeté entièrement entre les bras de Dieu ». Ou encore « j'ai mis à nu ma pensée devant lui. Ou encore, j'ai fait ma prière de toute mon âme et de toute ma force. J'ai dit à Dieu mon infortune, je lui ai découvert ma plaie, c'est lui qui peut y appliquer le remède. On retrouva cette expression de répandre de son âme, répandre son âme dans le psaume 41e, où c'est cette figure du cerf altéré, avec une petite variante où ce n'est plus répandre son âme devant Dieu, mais en soi-même. On a une autre forme de prière. Jean Chrysostome. Et là, c'est plus répandre son âme en soi-même, c'est plus devenir soi-même prière. En fait. Voilà. Avoir l'impression d'être complètement, totalement donné, empli de cette prière. Oui, et l'expression reviendra souvent, par exemple, chez Augustin, où là, c'est un premier degré, en fait, dans une forme d'élévation vers Dieu. C'est-à-dire, j'épanche mon âme, c'est monter dans une forme de spiritualisme, enfin, de contemplation des choses invisibles. Là, chez Anne, c'est autre chose. C'est vraiment devant Dieu, et non plus en soi-même. Que dit alors le prêtre? Voyez, chez lui aussi, quelle prudence! Il n'est pas curieux de connaître cette infortune. Il ne veut point en demander la cause. Éloigne-toi en paix, dit-il, que le Seigneur, Dieu d'Israël, t'accorde toutes les demandes que tu lui as adressées. D'accusateur qu'il était, Anne s'en est fait un avocat. Telle est l'excellence de la sagesse et de la mansuétude. Au lieu d'injures, elle reçoit en partant un abondant viatique. Elle trouve un protecteur, un intercesseur, dans celui qui d'abord l'a réprimandée. Néanmoins, elle ne s'en tient pas là, mais elle répète encore que ta servante trouve grâce devant tes yeux. Verset 18. C'est-à-dire, puisse la fin de tout ceci et l'issue de cette affaire te prouver que ce n'est point l'ivresse, mais une douleur profonde qui m'a dicté cette supplication et cette requête. Et enfin, le prêtre Jean Chrysostome admire la transformation qui se manifeste jusqu'au visage d'Anne. Verset 18, « Et la femme s'en alla, elle rentra à son logis, elle mangea et but avec son mari, et son visage cessa d'être abattu. » Voyez-vous la foi de cette femme. Avant d'avoir obtenu ce qu'elle demandait, elle montre la même confiance que si elle l'avait reçue. Phrase qui me semble très impressionnante. Avant d'avoir obtenu, eh bien, elle expérimente en elle déjà cette confiance de l'obtention du bien. Bien futur, bien présent, présence de Dieu. La raison en est qu'elle avait prié avec une grande ferveur, avec un zèle aveugle. C'est pourquoi elle revint comme si tout lui était accordé. D'ailleurs, Dieu lui-même alors dissipa son chagrin, attendu qu'il devait contenter son désir. On repense ici à la phrase du Christ aux apôtres, si vous aviez de la foi aussi gros qu'une grande s'élevée, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacerait. Elle se déplacerait. Et non pas parce que ce seraient des super pouvoirs, une super force, mais parce que cette communion de sentiments avec Dieu, en fait, cette communauté de volonté avec Dieu, fait qu'on sait que Dieu fait ce qu'il va accomplir. Voilà. Et en même temps, on le sait parce qu'il y a eu cette intercession du prêtre. C'est-à-dire que cette relation entre la priante femme et Dieu et l'observateur extérieur qui la regarde se transforme en une vraie relation à trois, où on a du coup le prêtre qui la bénit, Dieu qui l'exauce et la femme qui repart en paix. Donc on change un petit peu de paradigme d'une relation... Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que... ou ce que Chrysostome veut dire aussi, mais c'est que... Parce qu'on avait l'impression jusqu'à présent que la place d'Élie, c'était la place du prêtre, ou du prophète aussi, qui trouve dans cette femme l'exemple de ce que lui espère pour lui, c'est-à-dire en tant que prêtre. Il voudrait, et on pourrait se dire, Chrysostome, peut-être ce qui l'a frappé comme comme prêtre, jeune prêtre, c'est de se dire que Anne soit ma, mon enseignante pour ma vie de prêtre, de telle sorte que je trouve chez elle ce que moi, ce pourquoi je suis fait. Voilà. Mais ici, il y a quelque chose de supplémentaire qui est en fait ce signe de confirmation. Il devient pour cette femme, lui n'a peut-être pas la prière aussi puissante que cette femme, alors même qu'il est prêtre, mais à tout le moins, il peut lui apporter ce signe qu'elle attend, qu'elle a été exaucée. Je crois que c'est l'intuition qu'a Jean Chrysostome. Il introduit vraiment le prêtre dans cette relation-là. Il lui donne une vraie place, et non pas la place de voyeur ou simplement d'admiratif. Il lui donne vraiment un rôle. Et parce que Anne ne quitte pas le temple si heureuse si elle n'avait pas été... n'avait pas entendu cette parole du prêtre, d'une certaine façon. Et en fait, c'est ce qui explique ce besoin qu'il avait. Il fallait qu'il soit convaincu. Il fallait qu'il éprouve son cœur pour venir la confirmer. Voilà, mais alors c'est toute une belle série d'homélies de Jean Chrysostome, absolument unique dans la patristique sur cette prière. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur... C'est vrai qu'il a bien saisi, je pense, sur l'intercession du prêtre à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a un vrai dialogue qui s'engage en fait entre les deux, entre Anne et Élie. Et on sent qu'il a bien vu que d'une certaine manière, les premières paroles, qui d'ailleurs, dans certaines versions grecques, ne sont pas d'Élie, mais de son serviteur, sont une manière de l'éprouver aussi, c'est-à-dire une manière de l'obliger un petit peu à formuler le contenu de sa prière qui autrement n'est pas audible pour le prêtre. Alors Chrysostome dit justement que c'est encore plus injurieux pour Anne de s'entendre insultée par le serviteur que par le prêtre lui-même. Donc il insiste encore sur cette dimension de colibé, de sarcasme que doit essuyer Anne, non seulement chez elle, à cause de Pénina, mais en plus, même dans le lieu de la prière. Ça peut faire penser malgré tout quand même à la parole du Christ, à la syrophénicienne. Il ne convient pas de donner les miettes aux petits chiens, qui n'est pas une phrase évidemment d'insulte, mais une phrase pour l'éprouver en réalité, pour voir vraiment ce qu'elle... Quelle est l'intensité de ta prière, quelle est la vérité de ta prière. Il faut vérifier la prière. Et là, éprouver la prière, c'est-à-dire voir si... Est-ce que justement c'est une prière qui... se contente de façon désordonnée de dire tout un tas de choses, ou est-ce qu'il y a un véritable désir qui l'anime? Et je pense que c'est peut-être dans cette perspective-là qu'on peut voir même la phrase du serviteur. En particulier avec cette note-là qui est propre au grec, « Retire-toi de devant le Seigneur », c'est-à-dire, est-ce que tu vas aller chiche? Et, au fond, c'est une façon de lui... Comme le contenu de sa prière n'est pas audible, ben, c'est vrai que pour qu'il y ait une médiation par le prêtre, il faut qu'à un moment, qu'il y ait des mots. Donc c'est vrai que ça, je pense que vraiment Chrysostome l'a très très bien vu, que pour que le prêtre puisse intervenir, il faut qu'il y ait une vocalisation. Sinon, autrement, le prêtre, il n'a pas les signes qui lui permettent de discerner. Je vais revenir sur un certain nombre d'éléments que l'on vient de dégager, en repartant du commentaire de saint Thomas d'Aquin sur Matthieu, au chapitre 6, à propos du Notre Père, où saint Thomas fait tout un commentaire très détaillé sur le Notre Père, mais commence ce commentaire par des considérations plus générales sur la prière, et qui permettent, me semble-t-il, de retrouver un certain nombre d'éléments et de leur retrouver leur place. Je commence cette citation. Saint Thomas rappelle la définition de saint Jean de Damas de la prière. La prière, selon saint Jean de Damas, est une demande que ce qui convient vienne de Dieu. Ou du moins, c'est ainsi que J'ai essayé de le traduire, mais je crois qu'on peut le traduire autrement, mais il me semble que cette traduction convient. Est une demande que ce qui convient vienne de Dieu. Et Saint Jacques, dans sa lettre, insiste sur cette convenance en disant « Vous demandez, mais vous ne recevez point, parce que vous demandez mal, afin de satisfaire vos passions. » Là, on voit cette question de « Est-ce que la demande convient ?» Savoir ce qu'il convient de demander, dit Thomas, continue Thomas, est, il est vrai, très difficile, comme il est très difficile de savoir ce qu'il convient de désirer. Et là, je repense à ce que nous avons vu sur ce texte d'Anne, sur cette question de la vérification de la prière, de peut-être l'approfondissement de cette prière. Hein, on vient avec son propre désir, et finalement, il faut que son propre désir devienne ce que Dieu désire donner. Donc, il est très difficile de savoir ce qu'il convient de désirer. Lorsque nous avons nous-mêmes quelque chose à demander à Dieu, est-ce que cela convient? Est-ce que c'est ce que Dieu veut donner? Ainsi, Paul dit que, je continue la lecture de Thomas, ainsi Paul dit que ce que nous prions, nous ne le savons pas, mais lui le sait. C'est pourquoi cette prière que Dieu a enseignée, le Notre Père, est la plus efficace. Et ceci explique que les disciples ont demandé au Christ « Seigneur, enseigne-nous ». Parce que si c'est le Christ qui nous apprend à prier, qui nous dit ce qu'il faut demander, à ce moment-là, on saura ce qu'il faut demander. Et là, on rejoint toute la tradition des Pères, pour lesquels, et je pense ici spécialement à Augustin, qui dira... Dans le Notre Père sont incluses toutes les autres prières. Toute prière qu'on peut formuler, si elle se rattache au Notre Père, elle est légitime. Parce que là, on sait ce qu'il faut demander. Il faut savoir, dit Thomas, que dans toute prière, même celle qu'on pratique dans l'art rhétorique, on commence par attirer la bienveillance avant de formuler la demande. Ainsi, comme on fait dans la prière adressée aux hommes, de même, on doit procéder dans la prière adressée à Dieu. Je te prie, s'il te plaît, de faire telle chose. Cependant, l'intention est différente dans l'un et l'autre cas, car on attire la bienveillance d'un autre homme en essayant de fléchir son esprit à lui. Tandis que s'agissant de Dieu, on attire la bienveillance en élevant vers lui notre esprit. À cette fin, donc c'est là où je pense on a le répandre son âme au sens de il faut que son âme à soi devienne prière, donc que son esprit s'élève vers Dieu. Alors on arrive avec ses petits besoins et il faut que la prière nous saisisse de l'intérieur, qu'elle se remplisse en nous et c'est à ce moment-là qu'on s'élève vers Dieu. Hein? À cette fin, le Seigneur introduit deux choses qui sont nécessaires à l'orant pour attirer la bienveillance. Il est nécessaire en effet que l'orant croie celui à qui il demande. Il faut croire Dieu, que Dieu est Dieu, et que celui à qui la prière est adressée veuille le donner et le puisse. C'est pourquoi le Seigneur commence par « Père » et « qui est aux cieux ». « Père » apparaît ici d'abord pour disposer à la foi. Hein? On attire la bienveillance, non pas au sens où on essaye d'attraper Dieu, l'attention de Dieu, mais au sens où soi-même on s'élève en l'appelant Père, et d'autre part, on lui dit « Qui est aux cieux ?» puisqu'on dit « Toi qui peux, puisque tu es celui qui est notre Seigneur. » Ainsi dans l'espérance, pardon, ainsi dans la prière, on élève son âme vers Dieu, et cela signifie qu'en fait, on fait un acte de foi, on se confie en Dieu. Et c'est cela, attirer la bienveillance de celui qu'on prie. Mais il y a un deuxième aspect qui est que la prière non seulement dispose notre âme vers Dieu, mais c'est l'espérance qui soulève l'âme, dit Thomas. Si, dit-il, si Dieu est Père, si nous disons Père, c'est parce que Dieu veut donner. Si nous l'appelons Père, c'est comme à celui qui prend soin, qui a soin de nous. Et Thomas cite ici, renvoie à un texte après dans l'évangile de Matthieu, où le Christ dit « Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père, qui est dans les cieux, en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient ?» Et donc, par la prière, l'esprit s'élève vers Dieu, mais ce mouvement par lequel la prière s'élève, c'est le mouvement de l'espérance. C'est le mouvement de celui qui attend de Dieu, qui veut donner, et qui veut donner de bonnes choses. De sorte que Thomas écrit cette phrase dans un commentaire de Psaume, il dit « La prière est vide, à moins qu'elle ne s'appuie sur une espérance certaine. » S'il n'y a pas cette espérance certaine sur laquelle on s'appuie, c'est-à-dire que Dieu est bon, veut donner de bonnes choses à ses enfants, autrement dit, si on n'appelle pas Dieu Père, hein, eh bien la prière est vide. La prière est vide parce qu'elle n'a rien sur quoi s'élever. Elle n'a rien sur quoi s'élever. Et dans un autre texte encore, Thomas revient sur la question de la place de la voix. Et je reviens ici sur ces deux moments de la prière d'Anne, où on la voit à un premier moment verser des pleurs et parler, et puis à un second moment où sa prière devient tout intérieure, comme une espèce de flamme ardente contenue à l'intérieur, avec simplement les lèvres qui bougent. Thomas parle de cette place de l'expression corporelle, de la voix, à propos, en commentant le psaume 3, où il renvoie notamment à l'exemple de la prière de Suzanne, qui supplie, qui s'écrie devant Dieu. Hein, et Thomas dit, le psalmiste, à propos du psalmiste, le psalmiste lui aussi prie en disant à Dieu « Entends ma voix, entends ma supplication ». Voici ce que dit Thomas. Le psalmiste dit « ma voix » parce que si la voix ne procède pas du cœur, ce ne serait pas ma voix, ce ne serait pas la mienne. Il faut que la voix sorte de mon cœur pour qu'elle soit la mienne. Et donc, la prière qui ne sort pas du cœur n'est pas ma prière. Elle est peut-être une prière, la prière de quelqu'un d'autre, la prière de l'Église, la prière officielle, la prière de je ne sais pas quoi. Mais si elle ne sort pas du cœur, ça n'est pas la mienne. La mienne. À l'inverse, il n'est pas nécessaire que la prière individuelle soit vocale, qu'elle sorte à l'extérieur. Il est nécessaire qu'elle le soit dans les prières de l'Église, parce qu'il s'agit que tout le monde puisse être porté par la même prière. Mais la prière est vocale, dit Thomas, principalement pour stimuler l'esprit. Pour cette raison, la voix n'est pas nécessaire chez ceux dont l'esprit est suffisamment préparé à la dévotion. À la dévotion, c'est-à-dire à l'acte consistant à se placer face à Dieu pour tout ce qu'on lui doit. Ainsi, lorsque le psalmiste dit « Mon cœur t'a dit, ma face te cherche » ou lorsque Anne parlait en son cœur « Je répands mon âme devant le Seigneur ». C'est l'âme qui est parfaitement préparée, en réalité pleinement appuyée sur l'espérance. Et cette espérance fait qu'elle n'a pas besoin de sortir vocalement, puisque en réalité, cette prière est proprement la sienne. Bien. Proprement la sienne. Mais en réalité, cette espérance, c'est l'espérance que Dieu donne. C'est Dieu qui donne dans le cœur cet élan. C'est Dieu qui donne cette confiance en Dieu, qui veut donner, qui est bon et qui veut donner de bonnes choses à ses enfants. Hein? Voici ce que Thomas dit. L'espérance qui se soulève s'élance en prière. L'espérance qui se soulève s'élance en prière. Donc on voit ici la prière qui jaillit de ce mouvement de l'espérance. En effet, Dieu est en rapport avec nous en ce qu'il est notre force en nous, pour accomplir tous les biens que nous faisons par lui. C'est en en suscitant en nous cette espérance, en faisant que notre âme s'élève vers lui, qu'il va accomplir ce qu'on lui demande, mais il va l'accomplir par nous, parce qu'en tant que nous lui aurons demandé. Hein, tous les biens, il est notre force pour accomplir tous les biens que nous faisons par lui. Hein, et donc, en fait, dans la prière, Dieu va donner ce qu'il veut donner, mais il a voulu le donner par nous, par notre prière. Et donc, le mouvement intérieur de l'espérance, c'est le mouvement par lequel Dieu nous fait demander ce qu'il veut donner, mais il veut que nous demandions, il veut que ce soit par nous que ce soit obtenu. Et il me semble qu'on retrouve ici le cœur de cette prière d'Anne sur la fin, hein, lorsque elle voue son enfant, et c'est parce qu'elle le voue en réalité qu'elle le désire. C'est dans la mesure même où il est donné que sa prière est à la hauteur de ce qui est donné. La plus belle articulation qu'on puisse voir entre la volonté de Dieu et celle de l'homme. Mmh, oui. Exactement. Et alors, c'est ce que Thomas dit sur la prière. Il dit, ça c'est le lieu de la charité dans la prière, c'est que dans la charité, les deux volontés, la volonté de celui qui prie et la volonté de Dieu, en réalité, se communient dans la même chose, dans le même objet. Et donc, c'est une amitié avec Dieu. On pense la même chose, on veut la même chose que Dieu. Et donc, Dieu qui insère qui donne la charité dans le cœur de celui qui prie, fait désirer cela même qu'il veut donner. Hein. D'où le fait que c'est seulement chez celui dont la prière a été éprouvée, ce qu'on a vérifié avec Anne, c'est seulement chez celui dont la prière a été éprouvée que véritablement ce qu'il faut demander, qui est si difficile à savoir, se trouve vérifié, se trouve accompli. Hein. Il me semble que là, on retrouve les éléments que ce texte nous suggère, ou que Chrysostome, sur lequel Chrysostome insistait. Évidemment, ce qui est magnifique, c'est qu'on voit que la prière, là, est vraiment l'école même de l'espérance, en fait. C'est que, au fond, dans cette vraie prière qui se décante, qui se purifie, c'est l'espérance qui grandit, au fond. Puisqu'on finit par vouloir comme Dieu veut, et donc l'objet ne peut pas être... Et vouloir ce que Dieu veut. Et vouloir ce que Dieu veut. Donc, du coup, il ne peut pas y avoir d'objet plus grand que celui-là, ou meilleur que celui-là. Une élévation, hein. C'est une vraie élévation. On sent que c'est vraiment une école, oui, c'est magnifique ce que dit saint Thomas, là, que la prière comme une façon vraiment de se dilater intérieurement, de purifier ses appétits et ainsi de s'ajuster à la volonté même de Dieu, et sans crainte au fond. Et du reste, je pense, c'est là où on voit le passage chez un certain nombre de saints, dans la vie de prière, des saints qui vont être particulièrement élevés par la grâce, vont se mettre à avoir des désirs, comme dit saint Thérèse d'Enfant Jésus, des désirs infinis, le désir du salut du monde, hein, le désir de salut des pécheurs, le désir de... C'est-à-dire qu'il y a une telle audace de la prière, mais cette audace, elle n'est pas simplement du désir que des petits caprices. Hein, c'est pas du tout du côté du caprice. C'est parce que vraiment, on a quitté des désirs, on a purifié ces désirs, et finalement, le désir vient se confondre avec ce que Dieu veut. Hein. Voilà. On voit comment c'est le cœur même de l'Église, en fait. Et c'est le cœur même de l'Église. Le cœur même de l'Église. Adiutorium nostrum in nomine Domini, cui fecit celum et terram.